Sur une opération comme celle-ci, on est 10 personnes au total. On a 4 personnes à la lumière, 4 personnes au son et 2 personnes à la partie vidéo, distribution vidéo. Et on a quelqu'un backstage qui est fait, une personne en son qui est aussi au backstage, qui s'occupe pour chouchouter un petit peu les musiciens en fait, pour s'occuper particulièrement du poste scénique. 7 musiciens sur scène, ça représente une trentaine de micros pour reprendre tous les musiciens de façon à ce que le public l'entende bien. Et à ça, on vient additionner une quinzaine de micros supplémentaires pour toute la partie artistique. Donc, ce qui veut dire que comparativement à un spectacle où on est sur bande son, on passe de 10 pistes à un peu plus de 40 pistes à gérer en régie. En fait, on part d'une page blanche sur laquelle on regarde les numéros sous forme de vidéos qui nous sont envoyés par l'organisateur. Et à partir de là, on travaille nous sur ce qu'on appelle le plan de feu pour déjà voir l'implantation technique des produits et la faisabilité dans le chapiteau. Donc on se met en accord avec le propriétaire du chapiteau pour voir la faisabilité des points d'accroche, des structures, de la lumière, du son, des charges, des services techniques en l'occurrence d'ici pour voir la puissance électrique dont on dispose, parce qu'il faut aussi que ça puisse passer sur l'énergie disponible. Et après, à partir de là, on essaye de faire en sorte de restituer ce qui nous a été envoyé sous forme de vidéo. Enfin, c'est un travail en fait qui se passe entre différents corps d'État pour qu'au bout, on arrive à restituer au plus proche de ce qu'a l'habitude d'avoir l'artiste sur scène.